encore une mise bas de notre belle et rare petite Ornella, et encore et toujours deux mâles. Un choco à marque suisse et un chamoisé chocolat avec une jolie panachure, une jolie teinte. Eh oui. Ah là là, petit bébé, je ne sais pas qui est la mère. Eric a vu la mère, mais ça n'est pas occupé de suite. Et comme il fallait partir en pastoralisme, toutes les chèvres étaient pressées de sortir. Elles se sont toutes bousculées, impossible de voir qui est la maman. Donc là, je vais les prendre en charge, étant donné que je vois qu'ils sont un petit peu prématurés. Donc je vais les ramener à la maison, donc ça fera bébé au biberon. Après les biberons, c'est le petit dodo. Aujourd'hui, Eric change de endroit. Non. Hop. Tu es embêtante, toi. Allez, viens. Et ça en va juste là-haut où il y a le soleil. Ah, il y a un souci. Elles ont peur du chien du voisin. Venez, les filles. Parce qu'on a perdu, ça fait deux jours, une chèvre. Et qui est tombée en dessous de la route. Il est allé la rechercher après être rentré avec le troupeau. Et la chèvre, elle est revenue à la ferme, mais elle a pris peur des chiens et elle est repartie. Un voisin nous a dit qu'il l'avait vue sur cette zone là-haut, en train d'errer, seule. Eric est allé voir s'il la voyait en voiture hier, il ne l'a pas vue. Donc on part avec tout le troupeau là-haut pour essayer qu'elle reparte avec les chèvres, si elle est toujours là-haut. Parce qu'elle n'a pas pu rester deux jours là-haut sans eau. Donc elle redescend boire à la rivière ou à quelque part. C'est toujours tellement compliqué l'introduction des nouvelles chèvres. Alors voici une nouvelle chèvre qui veut rester à la ferme, qui ne veut pas partir, comme bien souvent. Celle qui belle, qui est pas contente. C'est très... Tire-toi, Almeda. Elles ont peur des chiens. Almeda. Et les chiens, comme ils voient qu'elles sont... elles n'ont pas une attitude normale, les ciblent. Donc c'est encore plus compliqué. Allez, poulette. 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 Alors croisons les doigts pour que Eric revienne avec une chèvre de plus. Là, je ne vais pas accompagner Eric vraiment loin parce qu'il faut que je retourne m'occuper des nouveau-nés. Très... t'as fini? Si, il faut y aller. Allez, Lisa. Allez, hop. Allez, on avance. Non, t'as pas le droit. Oui, tu sors pour aller manger, justement. Si tu mangeais mieux, dehors. Eh oui, mais allez, tu y arrives. Un peu de motivation. Non, bouge pas, ma puce. Chut, bouge pas. Ça a l'air moins confortable pour toi de ce côté à téter, ma puce, mais il faut. Notre césarienne.
Allez, venez, venez, venez. Allez, venez. Venez, venez. Le petit mec à qui je viens d'enlever les crottes complètement collées aux fesses, il ne pouvait plus faire de petites crottes. Il avait mal au ventre. Donc ça va aller mieux là. Donc voici tip top, notre petit prématuré. Oui, tu es un beau petit bébé toi. Non, 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 toi tu y a un quart d'heure. On tête pas tout le temps, on a le ventre bien plein. Tu es petit tip top. On a fait quelques soins de façon à l'aider à passer ce cap de prématurité sans qu'il ait trop de difficultés. Il est très demandeur d'attention. Alors, il demande bien la tétée là, mais quand je lui donne le biberon, c'est un peu plus difficile. Il sent bien que la tétine est en plastique, ça ne l'attire pas. Là, c'est juste la peau. C'est pas normal cette tétine en plastique, cette texture. Hein. Un petit bébé. Bah. Allez, tu changes ta serviette et puis je vais te laisser dormir. Ou il faut que tu dormes. Tu dormes beaucoup, beaucoup, beaucoup pour terminer ton développement. Au chaud, tranquille. Un petit bébé. Allez. Je viens de finir la verdure pour aujourd'hui. J'espère que j'en aurai assez. Découverte des ronces. Ils aiment, mais ça pique. Il y en a quelques-uns qui bêlent un peu parce que ça râpe dans la bouche. Ils apprennent à manger avec délicatesse et prudence. Bon, je vais continuer de leur mettre à manger d'autres essences, du frêne, du chêne, un peu de lierre, un peu d'érable de Montpellier à ce groupe. Et puis à quatre autres qui m'attendent aussi. Allez-y.
Thank you.